Salut salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live avec la carte flashback de Gonzalo Higuain. Franchement il a une belle carte, il manque un peu de vitesse mais franchement il a une belle carte. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, rendement du joueur élevé moyen, 89 de vitesse, 88 de tir, 75 de passe, 86 de dribble, 35 de défense, 70 de physique, il est droitier. Ce DCE là coûte 71 000 crédits environ. On peut voir qu'il a 85 en accélération, 92 en vitesse, 93 en placement offensif, 90 en finition, 89 en puissance de tir, 83 en tir de loin, 88 en volée, 72 en penalty, vista 79, centre 72, précision coup franc 66, passe courte 79, passe longue 63, effet 78, agilité 88, équilibre 85, réactivité 89, conduite de balle 83, dribble 87, calme 80, la défense on n'en parle pas mais il a quand même 87 en précision de tête avec 82 détente et 85 d'endurance, le reste c'est pas terrible. Donc voilà, il a une belle carte, 70 000 crédits, je pense que c'est correct. C'est correct, c'est compliqué à placer parce qu'il joue en MLS. Mais voilà. Pour ceux qui veulent faire. Pour ceux qui veulent l'associer à Agüero par exemple, flashback. Ou d'autres, hein, franchement, je sais qu'elle est compliquée, ou même en super sub si vous avez les joueurs. Bon. Ça peut être sympa. Allez, il fallait un joueur du Real Madrid, il est là. Vous mettez qui vous voulez, du moment il a 82 de général et qui joue au Real Madrid, bien entendu. Une note générale à 84, un collectif à 65. Donc les amis, il n'y a pas grand chose à changer, honnêtement. À part les deux gardiens, voilà. Radeki. Vous pouvez mettre Trapp, mais vous pouvez aussi mettre n'importe quel joueur à 83 qui joue en Bundesliga. Donc vous pouvez mettre Kostic, Aranguiz, Sabitzer, Zakaria, enfin voilà. Ce que vous avez dans votre club, ou alors le moins cher, c'est Radeki. Et après, c'est Trapp. Donc, on commence avec Peter Gulaksi, Jérôme Boateng, Marco Asensio, Roman Bürki, Serge Gnabry, Julian Brandt, Axel Witsel, Rafael Guerrero, Lucas Radeki, Koen Castils. Et on termine avec Thorgan Hazard. Donc voilà les amis, 72 000 crédits pour ce DCE là et récupérer la carte de Gonzalo Higuain flashback à 87 de général. Il a une carte correcte, vraiment il a une carte correcte pour le prix, ça va. C'est juste très compliqué à mettre dans l'équipe. C'est juste ça qui est un peu emmerdant. Mais sinon, c'est une belle carte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si, pour ceux qui l'ont fait, ce qu'ils pensent du joueur, parce que ça peut aider certains à se décider. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, à très vite, ciao et merci.